Ce mardi 2 mars, W9 rediffuse Les Vacances du Petit Nicolas, une comédie signée Laurent Tirard sortie en 2014, dans laquelle Valérie Lemercier et Kad Mera donnent la réplique au jeune Mathéo Boisselier qui incarne le héros de l'histoire. Le comédien obtenait alors son tout premier rôle et succédait à Maxime Godard qui campait le rôle-titre dans le premier film de la saga. Le second volet des aventures du petit Nicolas a été un véritable succès en salle, puisque le film a réalisé 2,2 millions d'entrées au cinéma. À peine âgé de 10 ans au moment du tournage, Quest devenu Mathéo Boisselier aujourd'hui, le jeune homme originaire de Vendée est désormais âgé de 17 ans et il n'a pas continué sa carrière dans le cinéma. En effet, dans un entretien accordé à Ouest France en février 2020, il confiait qu'il avait repris une vie normale juste après le tournage des Vacances du Petit Nicolas. L'année suivant le tournage, je rentrais en classe de 6e et le personnage m'a collé à la peau. Jusque le 4e, mon prénom a disparu, on m'appelait le Petit Nicolas, pas Mathéo. S'est-il souvenu? Mathéo Boisselier est marqué par un terrible drame en 2017, alors qu'il faisait sa rentrée en 3e, la vie de Mathéo a basculé à la suite d'un terrible drame. L'étudiant a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a conduit à suivre une rééducation pendant un an. Une période très compliquée pendant laquelle il n'a rien lâché avec l'envie de reprendre ses études afin de devenir journaliste, je n'ai rien lâché. J'avais déjà à cette période l'envie de devenir journaliste, de vivre comme tout le monde et de faire des études. A-t-il révélé à nos confrères. Si est-il à l'occasion de la promotion du film qu'il avait pu découvrir le métier de journaliste, les journalistes venaient dans notre jardin pour les interviews, je voyais qu'il était content de me voir, je trouvais leur métier intéressant a-t-il expliqué. Aujourd'hui lycéen, le jeune homme continue de nourrir ce rêve de pouvoir un jour exercer cette profession, tandis que la page du cinéma semble définitivement tournée.